Et ça, c'est Downtown. Même de Stripe ou Shopify Payment. Donc déjà, petit topo de la situation. Il y a 5 jours, c'était mon anniversaire. On est sortis en boîte. Et les gars, on m'a pété une chico. On m'a pété une dent. Welcome to Dubai. On se retrouve aujourd'hui dans le jour 2. Donc on est bien arrivé hier soir. On a pris notre appart et honnêtement on était tellement fatigués que j'ai rien vlogué d'autre. Donc dodo. Et là on s'est réveillé tôt pour aller au coworking. On a trouvé un endroit pour taffer. On a trouvé une voiture pour se déplacer. Parce que ouais, c'est une grande ville et du coup sans voiture c'est un petit peu galère. Donc je finis de me préparer, je vous fais un petit tour de l'appartement et on y va. On va commencer in the room. Donc nous sommes ici dans la chambre. Donc depuis la chambre on a une petite vue, le port et là-bas il y a la marina. Donc franchement on est à côté de tout. On a des petites armoires. Ici, salle de bain. Donc ça c'est pas mal. Petite douche. Là l'entrée avec une toilette en plus si on a des invités, donc c'est cool. Never know. La cuisine que vous avez vue, c'est bien, on a la machine à laver, la vaisselle parce que oui, on se fait à manger. Et le salon, attendez, je fais un petit zoom, recule. Télé, table à manger, on ne travaillera pas depuis là. C'est pour ça aussi qu'on a pris un cowork parce que c'est mine de rien, c'est pas si grand que c'est ça. Et là, c'est beautiful! Regardez comme c'est beau! C'est pas mal, non? On dit bois la bouteille, l'eau. Mais en fait, je peux pas parce que. Il y a 5 jours, c'était mon anniversaire. On est sortis en boîte. Les gars, on m'a pété une chico. On m'a pété une dent. Et du coup, c'est hyper sensible. Ça me fait trop trop mal. Genre, t'imagines, moi, avec ma dent pétée là en boîte de nuit. Je vous jure, les gars, j'étais trop vénère. Je me fais vite la frange, je termine mon sac et on y va. Nathan, il m'attend. C'est parti! Mais j'arrive, Michel! Gros bolide! C'est bon, les gars, cowork, c'est ce building-là. C'est un cowork qui s'appelle Nook. Et en fait, Nathan était déjà venu là, enfin bosser là-bas. Parce que moi, je l'aurais comme ça en mode touriste. Mais Nathan a déjà vécu à Dubaï. Il est resté quoi, 2 ans. Et du coup, il connaît assez bien. Et on a déjà pas mal de petits spots qui étaient prévus pour travailler, pour la voiture, etc. Donc c'était plutôt un avantage. Et on a aussi pris une place de parking. Parce que c'est cool d'avoir une voiture. Mais ici, pour te parquer, c'est un peu galère. So les gars, on est à Nook. Donc là, il y a un restaurant, donc c'est trop trop bien. Et là, il y a un autre resto. Si vous avez déjà fait des coworking, attendez, j'en ai partout. Plus d'eau. Mais ouais, en gros, ça n'a rien de spécial. C'est juste que c'est cool, c'est genre à 7 minutes en voiture de chez nous et bah il y a un peu de tout ici, je vous fais un petit tour, vous allez voir. C'est un truc fermé parce qu'il y en a qui ont des bureaux, sinon ça c'est public, donc là tu peux te poser vraiment en espace cowork, donc ça c'est cool. Là t'as du coup une silent room, donc ici no noise. Là t'as la cuisine, donc t'as un peu tout, t'as un frigo, si tu veux bien, café, thé, t'as des verres.
Ça, c'est hier. C'était plutôt pas mal. C'est un shop, donc c'est cool. Ça, c'est le deuxième shop. Et franchement, c'était pas dégueu. Mais on voit, regardez, il y a plus 62% comparé à la veille. Donc, genre, ça n'a rien à voir. Hier, c'était vraiment de la merde. Enfin, à mentir. Et ça, c'est le troisième, donc la veille, donc hier, avant-hier, on a fait encore mieux et pas mal de taux de conversion. Donc ça, c'est un nouveau. On verra comment ça va se passer sur la suite. Les gars, il est 9h. Normalement, on commence bien plus tôt à travailler, mais là, le temps de se déplacer et tout, c'est un peu plus longuet. Et comment est-ce que j'organise ma journée? Donc premièrement, j'utilise l'outil Asana. Nous et nos équipes, c'est qu'on a des gens qui bossent aussi avec nous. Donc au moins, on regroupe tout sur un truc, c'est Asana. Et comment je vais organiser un peu ma journée? Simplement, le matin, quand j'arrive, je fais vraiment les choses qui me demandent de l'énergie mentale, de réflexion, de construction, de stratégie, des trucs comme ça. Après, généralement, on mange. Après, si je vois que j'ai un peu de déter, mais souvent, après manger à 13h, comme ça, t'as moins de focus. Donc là, moins j'ai de focus, plus je vais vers des tâches qui sont no brain, donc qui me demandent moins de concentration et que tu peux faire de manière un peu chronophage, je sais pas, genre... On a terminé l'appel et on a eu une bête d'idée. L'autre jour, on en a parlé. C'était quoi hier avec Nathan? Du coup, je prépare mes affaires. On bouge chez le fleuriste. Et puis, je vous dirai pourquoi on va chez le fleuriste. On va manger avec Jules, mais je vous explique notre super idée marketing dans la voiture. Du coup, on prend la route pour aller chez le fleuriste parce qu'une occasion se présente que je ne peux pas dire. Enfin, je crois que je peux pas dire. Nathan, il dit que ça ne peut-être pas. Et du coup, on va chez le fleuriste en 13 minutes. Et après, on va au bout de la palme. Du truc un peu connu. Là. Ceux qui connaissent pas Dubaï. Voilà. Ici, il y a que des voitures en droite, on suit ce palme de mer là. Ah oui. Au coworking, moi j'ai deux appels. J'ai un appel important avec Molly. Mais bon, qui ne tente rien à rien, je vais essayer de sortir le grand jeu pour avoir le taux au minimum et avoir la chose la plus intéressante possible. Donc je vous tiendrai au courant de ma source. Travail. Bon, par contre, j'ai tellement faim. On a mangé il y a pas longtemps, mais j'ai encore faim. Je vous jure, j'ai même envie de manger du riz. Je mange du riz comme ça, moi. M'en fous. Mission ultime, trouver une issime. 10h23, les gars. Et on doit être à 45. Dans 20 minutes, je suis même pas douchée, même pas prête. Et en plus, on a la route à faire. Donc, on va avoir du retard. Waouh! C'est New York ici. So, les gars, on y est. J'ose pas trop filmer en fait parce que souvent ils nous demandent. J'ose pas trop filmer, je dis, parce que je veux pas qu'on me voit. Qu'après, ils me demandent d'arrêter de filmer. Mais on va dans le truc et je vous montre. We'll be right back.
pas là, on a les droits.